Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Ce qui suit est la parole de Dieu. Waouh, vous voyez les fleurs sont jolies. Mais la parole de Dieu aussi, c'est très beau, c'est très important. Alors je te laisse l'écouter. Prends également ta Bible, tu peux aussi suivre, étudier la parole de Dieu entière sur la chaîne Nance Reborn. C'est pourquoi je te demande en même temps, abonne-toi dessus cette vidéo, active la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo, la prochaine parole qui va sans doute te faire plaisir, t'aider et sauver ton âme. Bon visionnage à tous et je vous dis à bientôt sur Nance Reborn pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épilent malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et il l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin, brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.